Bonjour et bienvenue dans Where Are You. Pour commencer, devinez dans quelle commune de la province d'Or je me trouve. Elle a failli être la capitale du pays. Elle a été un véritable fief indépendantiste pendant les années 1980 et aujourd'hui, elle est connue pour ses activités du nickel. Vous avez compris, je suis à Canala. Blotti au fond d'une baie, Canala a aussi connu son heure de gloire avec ses sources thermales de l'Arhuen. Nous irons les tester pour vous et dans la forêt des Grands Kaori, nous chercherons à en savoir plus sur les plantes médicinales de la région. Pour visiter cette vallée, nous serons accompagnés de Christian Kona, guide mais aussi artiste de la tribu de Nanankenelu. Des sources d'eau chaude jusqu'au Grand Kaori, Where Are You, c'est tout de suite sur NCTV. Hey, Cédric! Oui. Cédric, regarde! Holo! Olé! Merci Christian de m'accueillir ici aux anciennes sources thermales. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Ce qui nous attend aujourd'hui, parce que le programme, on s'est donné rendez-vous aussi là, sur le site de la Kouen pour pouvoir visiter un peu l'endroit avant de monter là-haut dans la forêt Kaori là-haut. Et à peu près combien d'heures de marche? En grosso modo, il y a environ 4 heures. Voilà. Ok. Avant la montée, on allait tromper les pieds dans l'eau chaude là-bas. Pour masser un peu oui, avant oui. de. T'es d'accord? Oui, c'est bon. Ben, on y va. Allez, je te suis. Oui, Christian, cette source thermale, elle a commencé à environ vers quelle année? Le premier travaux d'aménagement d'ici, là, c'était en 1950. Sinon, l'inauguration officielle de cet endroit, c'était le 4 mai 1958. Voilà. Ah, et ça, c'est la baignoire. Voilà, les gens viennent souvent se baigner, touchent un peu l'eau, prendre des photos. On peut s'asseoir là. Oui, on peut s'asseoir. Pour déjà masser les mollets avant. Avant la montée. Alors. Bon, on va les shorts. Allez hop, donc on va s'asseoir. Non, on va se mettre debout comme ça là pour prendre un peu plus plus de force, parce que là on est dans l'eau chaude. Voilà. D'accord. Le mieux, c'est... Ça va être mieux pour la circulation. La circulation du sang. Ouais. Ok. Bon. Avant cette marche. Alors, c'est ici que tu viens quand tu fais des efforts? Oui, cette eau thermale, elle guérit aussi les rhumatismes. Il y a aussi des voies respiratoires supérieures. Et aussi, comme tu disais, des fois, tu te sens que tu n'es pas bien, mais tu viens un coup ici pour te relaxer ici, là, dans cette eau qui est miraculeuse. Oui, elle est bien chaude cette eau, elle est à peu près de combien de degrés? Cette eau, elle a 42 degrés. 42 degrés. Voilà. Oh, on la sent, hein. On la sent, hein. Mais le soir, je pense que... Ah, c'est plus super. Hein, c'est mieux. C'est mieux. Et quand tu le sens aussi, on dirait de l'euphorie. C'est ça, avec l'odeur du souffle. L'odeur du souffle, exactement. Voilà. Christian, là, je commence à avoir chaud. Je crois que je vais bientôt fondre. Je crois qu'on va pas tarder. On va y aller. Ok. Bon, nous, on va commencer notre randonnée. Et vous, je vous laisse en savoir plus sur cette source d'eau chaude. Regardez. Les premiers, c'est une rien d'autre. Qu'est-ce que tu as? Tu as un cabinet dans mon dalle.
Oui, Cédric, avant d'aller voir la forêt de Kaori, ouais. On va aller faire un tour voir mon verger de mandarin. D'accord. Ça te convient? Ah, mais ça me convient. Allez, ben on est parti. Allez, on va. Ben voilà, Cédric, je te présente mon verger de mandarine. Voilà, tu vois, déjà, tu commences à faire ton constat toi-même. Tu as déjà les fruits là, sur les pieds. Voilà. Tu en as combien? En tout, j'ai 250 pieds de mandarine. Et pourquoi avoir fait une plantation ici, aussi loin de la maison? Je trouve que ici, parce qu'on a la bonne terre, et cette terre, là, ça a été travaillé par les arrière-grands-pères, puis grand-père, tout ça, avec papa, tout ça. Puis l'idée de départ, c'était de venir ici parce que nous, on avait avec la maman, on avait deux filles qui étaient au collège et quand c'était au lycée, on avait l'idée de planter les mandarins pour pouvoir payer leurs études plus tard. Puis dans la foulée, comme on a tous les ans, on a fait la mandarine, voilà, maintenant. Et ce pied de mandarine, il a quel âge à peu près? Celle-là, elle a 7 ans cette année. Maintenant, à partir de la quatrième année, tu commences à récolter. On récolte déjà quelques fruits dessus. Quoi. Et sur un pied comme celui-ci, on peut récupérer combien de kilos? Celle-là, c'est une variété, parce qu'ici, je plante deux variétés de mandarines. Celle-là, elle s'appelle la Fortune, cette variété-là. Fortune. Elle peut grandir jusqu'à plus, c'est peut-être jusqu'à 3 mètres. Mais elle peut aller déjà jusqu'à 80 kilos. Mais le goût, c'est le même goût de la mandarine. C'est juste la peau qui différencie, que c'est pas pareil que la vraie mandarine. Alors, mais quand tu enlèves la peau, tu vois. Ben c'est le même, les pareil. Pépins ou comment tu appelles ça là-dedans, tu manges, c'est la mandarine. Mais moi je serais bien intéressé d'aller voir l'autre variété de mandarine, ça ne te dérange pas. Ok, on y va. Allez. Ah, ok, on y va. Voilà l'autre variété là, c'est du pocon, on dit pocon, mais c'est la mandarine quoi. Voilà, c'est pas pareil. L'autre tout à l'heure on a vu, c'était la Fortune. Voilà, tu as l'autre fille qui est juste à côté, tu vois. On dit que c'est de l'orange et puis cela, c'est la mandarine, tu le vois là. Ça sent très bon, ça sent très bon tes mandarines. Et c'est quand la saison? Notre fête de la commune d'ici à Canada, ça va partir le premier week-end du mois de juillet. C'est la fête de la mandarine chez nous à Canada.
Elle n'est pas comme les autres fruits, à mango, la nana. C'est dingue avant qu'on rentre dans la forêt, là, dans la forêt de Kaori. Je vais te montrer les deux papayers. Là. Allez, je te suis. Oui, voilà. Voilà, tu vois, Cédric, voilà, tu as les deux différentes papayes, tu as celui-là, c'est le mâle, qui a les fleurs, et, voilà. Mm-hmm. Puis tu as l'autre qui est là-bas, là, qui on dit c'est là qui a le fruit dessus, c'est la femelle. Mm-hmm. Du côté médicinal, ben, nous, les hommes, voilà, ça c'est pour nous. Ça, voilà, tu regardes bien, des fois, il y a des petits fruits comme ça qui flottent, mais surtout celui qui est en fleurs, mm-hmm. comme ça, là, tu vois, suspendre comme ça. Ben, tu prends les feuilles, tu les fais mouiller dans une casserole, mm-hmm. tu attends qu'ils soient tiennes. Et puis tu prends ça pendant 3 jours. Puis voilà, en prenant ça, ça donne un coup de fouet au corps. Ça te redonne un peu le... Ouais, ça te rebooste. Ouais, ça te rebooste, quoi. Ouais. Et nous, on le fait souvent. Nous. C'est pour ça que je te le dis, si tu as chez toi, mais faut pas hésiter à le faire. Hein. Ça. Voilà. Cool. Stop. Allez. Là, je vais te montrer un autre plante médicinale qui est juste à côté. Voilà. Nous, on appelle, son nom scientifique, je l'ai oublié, mais nous, on l'appelle en langue le kwanku. Kwanku. Kwanku, ça veut dire, mais c'est la liane de l'igname. La feuille, là, voilà, on l'utilise pour les nouveau-nés ou les enfants. On a tout. Puis les feuilles, tu les écrases, tu les mets dans un récipient, puis tu attends que ça fermente un peu, puis tu les fais boire. Nous, les grandes personnes, on peut prendre celle-là ou la petite, ça vient de la grande. Tu le coupes en morceaux, tu les écrases. Voilà, tu casses, après, tu laisses un peu reposer le temps que ça imprègne l'eau, ça imprègne dans la liane. Mmh. Après, tu bois. Ça, c'est pour la toux. D'accord. C'est pas toujours évident de reconnaître toutes ces plantes médicinales dans cette grande végétation? J'ai de la chance parce que nous, on ici, on connaît notre coin, tu vois. Mmh. Chaque personne, il connaît là où ils vivent. Il sait quelle plante il est juste à la portée pour utiliser quand il y a un médicament pour les chercher. On a cette chance-là. Eh bien, justement, je suis allé à la rencontre des mamans de Mewé pour qu'elles nous donnent quelques conseils pour mieux les reconnaître et les utiliser. On regarde. Ndoa, quand on est là pour écouter, nous sommes nous sommes Les horons vont y faire, Ni singiji mbani shuru mbole mchuma kwe ndo koru andora ndomba ni khani hembaru ngwadi mani khani ngefami mbaka de nambari ndoga hana na ekhodona na pwiri dichikambi ni khona ni kuindwa mari ngunjo mbe fe khoru na pwiri ndo ndia kata andora ndomba na ndomba ni ndo kuma kuimbara kare ndwe no na kuro wani wa kuimbara nge kwe ni singiji mbani shuru mbole mchuma kwe ndo koru andora ndomba ni khani hembaru ngwadi mani khani ngefami mbaka de nambari ndoga hana na ekhodona na pwiri dichikambi ni khona ni kuindwa mari ngunjo mbe fe khoru na pwiri ndo ndia kata andora ndomba na ndomba ni ndo kuma kuimbara kare ndwe no na kuro wani wa kuimbara nge kwe ni singiji mbani shuru mbole mchuma kwe ndo koru andora ndomba ni khani
ndonire fasia ntuburudo kate nako cho kucho wita ndo hukonde akara ha cho si horu mera horu me prop me ndo horu kara ha nako pendo nako shunga mbe mbe pipi na ba mahupa hui na ba disipi horu nako shunga mbe rika akana meri pi mi kaka na mahupa hona a fa horu na puiri. Where Nina Haimia Nanya de Hamda Mendomando, me on them, and that you me on them, Banando, Mono money, the chador, no happy money. But Mono Sando, the Pana, the chador, no happy. Nandrago Hutandoa, the commando found young again, and my Sammy Monoban, the boy, and Messi Pai, Messi Mengi, and Messi Tame. Dambanja ni hunyamba bara pahum himba ngwa na pahum si 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 sed me si emendana na kam ni ndo ni ndo ni kamburu kada ha na pana ni cho si kada ha ni cho uda kaonde ya ni uda kada ha ni cho si bara te ya ni cho uda kaonde na kada ha na ndo ambana anja kada na ni huta amba ja mere mene mere horo ni faka ha kwere apana pahunhi pana pahunhi ingi ndo na ndo aka mba fo imbi ra mba ka te akara ha kana mere ndo mba si ndo ro na wa ndo khuina khuina na ingi de ndo na ndo re si se to na konda ra khuina na no na ho na ba ndo aka de mba ra ndo e ke ha na no khamba mbwa panya ba hoyi mi te horu mindo mbwa panya ho bole pan i we fanda nge fa pande pa mina mera mbwa li na no ho be te horu mi horu ma nge pa le ni ho da no ni ini mba le minde Voilà, Cédric, on va rentrer dans la forêt humide. Mm-hmm. Puis on est à quelque part là, du camping de Kaoui, hein, que les anciens l'appellent Fais-moi. Fais-moi. Fais-moi, c'est le lieu dit. Puis c'est l'un des Kaoui les plus gros, le plus gros, puis le plus âgé aussi. D'accord. Puis j'ai emmené, là, j'ai amené un décamètre. Ça te tente, on va le mesurer comme ça, là, pour avoir le carnet, combien de diamètre fait le Kaoui. Ok, voilà. Sa taille. C'est bon. C'est pas un petit alors. Voilà, on arrive, voilà le pied. Wow. Oh. Immense. Ouais. Comment tu l'as appelé? Paix-moi. Pourquoi paix-moi? Ouais, paix-moi signifie en français, en fait, c'est la fondation ou la base d'une maison. Hein. Moi, c'est une maison. Mmh. Voilà. Et c'est lui qui a repeuplé cette forêt? On va dire comme ça, qu'il a repeuplé. Parce que les vieux, ils ont eu l'idée de garder, parce qu'ils avaient une coupe à un moment donné, puis ils ont gardé celle-là pour repeupler. Okay. Maintenant, tu vas aux alentours, tu vois, il y a des copies aussi qui sont à côté. Voilà. C'est ça qui fait un peu le comment... C'est l'ancêtre. Ouais, c'est moi, c'est l'ancêtre de tous les carrés qu'on peut voir. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est dit, on va le mesurer. Hein? Moi, j'ai l'habitude, avec les enfants, des fois, on vient pour faire le tour, pour en mettre les bras comme ça, tu vois. En temps en temps. Et il y a combien d'enfants, à peu près, qui autour de cet arbre? Quand tu fais? Je ne sais pas, peut-être 8, 9, je ne sais pas. Ah oui. Okay. Mais le mieux, maintenant, pour avoir le carnet, ben voilà, on va prendre le décamètre, bon. Puis on va le mesurer. Okay. Allez, voilà. Comme ça, on saura... On saura. On saura combien il mesure. Voilà. Allez, hop.
Il est assez lent, attendez quand même. Ah oui, oui, on peut faire deux fois le tour de Kaori. Allez. Combien la taille du vieux? Waouh. 6,20 m. 6,20 m de diamètre. De diamètre. Et pour sa hauteur? Oh, pour à son hauteur, on va dire peut-être 20 mètres, voilà, à peu près. Mm-hmm. Mais là, on ira après, on ira faire voir les autres pieds de Kaori et moi, parce qu'eux, on ne les voit pas bien d'ici, parce qu'ils sont dans un creux. D'accord. Voilà. Puis voilà, tu verras, mais ils sont plus jeunes que cela. Mais il faut le dire, celui-là, c'est le plus vieux. C'est le papa, c'est le grand-père de cette forêt. Mm-hmm. On va aller voir les autres Kaori. Ah, les jeunes. Les jeunes. Ok. Ok. Hop. Et là, on va voir, il y a à peu près combien de pieds de Kaori? Bah, c'est vrai, là, on va voir, il y a au moins une trentaine. Trentaine de pieds. Oui, trentaine de pieds. D'accord. Ça donne envie de se baigner. Oui, oui. Mais tout à l'heure, j'aurai une petite surprise pour toi tout à l'heure. Ah. Ah. Ok. Ouais. Ok. Ça marche. Je m'inquiète plus alors. Ok. Ah, je suis tombé. J'ai tombé. Net. Ouh, ça fait du bien de marcher dans l'eau. Ah, le soleil commence à. Elle est bonne. On va chauffer là. Ouh. Oh, ça monte. Ça monte, ça monte. Là, voilà, c'est dit, on est arrivé. On parlait du grand, le vieux Kaori tout à l'heure, pas moi. Puis on parlait de celle-ci, ben voilà, on est en plein, au milieu de la forêt de Kaori. La forêt de Kaori. Oui. Et celui-là, c'est quoi comme espèce? On dit souvent le Kaori en français, mais nous en langue, on dit Munga. Cela, on appelle Munga, mais de son nom scientifique, c'est le Mori. Mori. Ici, sur le territoire, on a, à ma connaissance, il y a quatre espèces. Tu as celui-là, comme le Mori, tu as l'Ancien Lata, tu as l'Ovata, puis le Combassoni. Il y a deux qui sont rouges, puis deux sont les comment on appelle, les feuilles, là, sont vertes. Voilà. Donc celui-là, il a les feuilles vertes, c'est un Mori. Voilà, c'est un Mori, Cendric. Sinon, j'avais pour la reproduction, j'avais demandé à pas mal de gens. De botaniste. Mais comment il se reproduit? Moi, j'ai fait mon analyse tout seul. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment, il est où le mâle et la femelle de cela pour faire la reproduction? Mais ils m'ont dit que cela, il est unique. Cela. Il n'a pas besoin d'être rendu. Quoi, mais je vois que ta forêt, elle est saine parce que je vois plein de petits pieds Kaori par terre. Elle est saine. On le voit, il n'y a pas tellement de fouilles de cochons. Parce que il y a quelques années de ça, mais on ne voyait pas tout ça. Il n'y avait pas des petits ici. Parce qu'en fait, les cochons, ils viennent chercher ça. Puis ça, oui, ça fait des petits, après ça fait deux feuilles, au fur et à mesure, ça monte, puis ça grandit, pour avoir cette taille-là. Donc, ça, là, je crois que c'était une centaine d'années, ça, là. Donc toi, tu surveilles un peu cette forêt, tu es un peu le gardien de cette forêt? Oui, ouais, disons que ça fait partie de mon travail de randonneur. Et voilà, ça, c'est notre patrimoine, ça. Notre patrimoine de ces deux tribus, de Nanokenero et de Ima. Ah. Ça, c'est notre fierté, ça. Tu vas aller chercher les monuments, tu vas dans le monde pour aller les chercher. Mais le truc, tu sens aussi le battement de son cœur. Ça, il vit, le mec, là. Au fond, les générations à venir. Olé. Voilà, c'est Cédric. Mais maintenant, je t'ai parlé d'une surprise, ça, là, tout en traversant la rivière. Là-bas. Ouais, je me souviens très bien. On va y aller. Je vais te montrer la surprise. Hein. Parti, voilà. Mais je te suis. Ok, on y va. Ben voilà, c'est dingue, on est arrivé. La surprise, voilà, t'as l'eau maintenant. Tu pourras te regarder, tu pourras te baigner, voilà. Tu es libre, voilà, tu es. Christian, merci beaucoup. T'es bonne bombe ou pas? Au revoir. Fort, hein? Pas très fort.
En fait, c'était ça là, ma deuxième surprise, je ne voulais pas te dire, mais voilà. Mais ce que tu peux m'aider, là, tout en jouant, toi, tu vas essayer de faire un petit bandier, mais dans l'eau. Donangwe kere mi pambeli, rinoha shavare mi kwanjosha, towa te pe aha, towa te pe kwara. Autrefois, au temps de nos vieux, tous les gens vivaient heureux, échange et alliance, ravive la confiance. Yeah! Oui! Olé! Merci Christian, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, oui, Harry, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Christian pour cette belle balade et pour cette belle journée. Ben, de rien, Cédric. C'était avec un grand plaisir que j'étais accueilli dans ma forêt de Kaoul. Olé! Et vous, chers téléspectateurs, je vous donne déjà rendez-vous dans un prochain numéro. Allez, à bientôt! Christian, tu dernier pour la route. Tape ça, tape pour nous. Lino tu pire liwani, lino chiti tau me kau, koru sa me kushi koru re.